Bonjour à tous. Nous sommes déjà le 24 décembre. Aujourd'hui, c'est Noël. On va le fêter un petit peu parce que c'est pas vraiment la grosse fête ici, mais bon, on va faire un dîner, peut-être un poulet, pas une dinde, mais presque. Je suis dehors pour acheter, faire quelques achats importants avant le début vraiment de la journée, parce que on a décidé de racheter un autre scotch puisque tout est tombé hier. On avait besoin de peinture dorée pour... Je vais vous montrer pourquoi après. Et là, on passe juste au magasin, supermarché. Oh, ça c'est trop cool. Est-ce que vous savez ce que c'est? Chez nous, on prend ça toujours pour Nouvel An. On fait boum dans la gueule des gens. C'est un peu l'esprit de Noël, mais je crois qu'on en a beaucoup. Je crois qu'on en a un sac entier à la maison. Les produits laitiers, on en a beaucoup plus qu'en France ici. Parce qu'on a en plus du lait. Ah, ça? Ouais, bon, pour l'instant, on n'a pas besoin. Plus du lait, on a du kéfir, de la réagence. C'est aussi des dérivés du lait qui se boivent le matin ou quand vous voulez, mais. Qui donne. Oui, ça j'ai. Ça. Ça, on n'a pas besoin. Des petits bonbons. Oui, moi j'aimerais bien aujourd'hui. Pour faire du vin chaud, j'ai besoin de jus d'orange pour ça. Ici en bas, il y a des trucs à boire. Ils sont ici. Là. Des jus. Un normal quoi, pas trop. Pas trop cher. Oui. On a réussi à effacer, mais ça pue le white spirit partout dans la maison, c'est une infection. Alors pour ce midi, on a des côtelettes avec des pommes de terre purées. Ça c'est du chou avec de la viande, ça a l'air hyper bon. Et ça, ce sont des tomates et des cornichons qui sont mis dans du sel. Et c'est des recettes spéciales qu'on fait chez nous. C'est super bon, donc c'est bon. Tout le monde n'aime pas, c'est... assez salé, assez épicé, mais du coup ça se garde pour l'hiver et c'est hyper hyper bon. En tout cas je vous raconte pas l'odeur, ça me met l'eau à la bouche. Il est déjà presque 19h, il est 18h30, on va commencer tout juste à décorer le sapin. On a fait une très bonne pause aujourd'hui, je me suis bien reposée, ça fait vraiment du bien. Et oui, on va sortir les boules. Et ça j'adore, en fait j'adore sortir les boules, c'est le moment où on se rappelle toutes les belles choses qu'on oublie pendant l'année et on se le rappelle juste pendant les fêtes, les petits trucs qu'on achète tous les ans, enfin bref, c'est trop beau. Done, we now are gay apparel. La 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 la.
comme tous les ans, il y a des jouets qui se cassent et qu'il faut jeter. Et ça, c'est horrible. J'ai vraiment du mal. Mais bon, il faut parce que on peut plus rien faire. Cette année, il y a vraiment de très beaux qui sont cassés. Ça, c'est mort. Alors celui-là, ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à le jeter. On a la tête qui est partie en... Et celui-là, franchement, qu'est-ce qu'il était beau. L'artiste. Voilà, donc ça, c'est poubelle. Voilà, notre table de la veillée, du réveillon est prête. Oui, tu veux. Chez nous, la tradition veut qu'il y ait 12 plats sur la table. Donc on a 1, 2, 3, ça se compte aussi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans le micro-ondes, 11 en train d'attendre auprès du micro-ondes et 12, c'est les poivres. Voilà, ça fait 12 plats. Écoutez, cette table est très belle. Le poulet a l'air délicieux, c'est du poulet aux pommes. Et un plat qu'on fait exclusivement chez nous aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la kucha. C'est un... Donc ça, c'est la base et vous mettez ça dedans. Et dedans, il y a des graines, le truc noir là, sucré, je ne sais plus comment. Voilà, les graines de pavot, il y a des trucs sucrés, enfin c'est... très très bon, c'est sucré, c'est moelleux et vous pouvez faire ça soit avec ça dedans et c'est fait avec des fruits secs, donc c'est une espèce de compote avec des fruits secs. Vous connaissez pas normalement ici, mais ça se fait chez nous. Et donc soit vous mettez les deux dans le bol, soit vous mangez ça et vous buvez ça à côté, bref, comme vous voulez. Donc ça n'existe pas chez nous. Ça, je crois que c'est un truc à mettre sur le pain. Je sais pas trop, j'ai pas goûté. La seule chose qui est triste à Noël, c'est que ça se termine tellement vite. La journée passait vraiment très vite. Mais c'était, je crois, la première journée où je me suis vraiment reposée. Et c'était chou de décorer le sapin le jour même. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, décorer l'appart, enfin, je veux dire, la table, les plats, tout faire. C'était peut-être même plus agréable encore que... que le dîner en lui-même. Demain c'est déjà Noël et j'arrive toujours pas à réaliser où je suis et qu'est-ce que je fais. C'est très dur, c'est terrible. J'aimerais bien me trouver dans le moment présent, j'aimerais bien vivre pleinement le moment, mais j'ai du mal à me rendre compte que je suis où je suis et qu'est-ce que je fais. J'ai pas envie de me dire plus tard, lorsque je vais revenir, lorsque les fêtes de fin d'année seront passées, j'ai pas envie de me dire que je les ai pas vues passer, que je les ai pas senties passer. J'aimerais bien les vivre à fond. Je sais pas quoi faire pour y arriver, on peut pas tout contrôler. Mais en tout cas, j'ai passé une très bonne journée, j'espère que vous avez aussi eu un très bon réveillon. Je vous souhaite... d'avoir passé un bon moment en famille, d'avoir été entouré, d'avoir senti la chaleur humaine, d'être dans un moment de tendresse tout simplement. Et puis demain, de bien manger également. Je pense que nous, on va finir nos restes et puis il y a des plans pour demain. Donc je vous dis à demain, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous avez envie de voir la suite à Kiev. Prenez bien soin de vous.